Alors, Monsieur Constant, je veux dire, nous là, on a parlé d'interview ça, et vous êtes secrétaire général du Parti fédéraliste. Yeah. Alors, Parti fédéraliste sous forme haïtien. Alors, je veux dire, ça, vous expliquer avec nous, et pour, surtout pour tout le monde qui va regarder l'interview ça, sur le channel, qui c'est Est-ce qu'on conscient. You et Facebook là, tout c'est Est-ce qu'on conscient canal, sans séparation. Et est-ce qu'au conscient canal n'a pas joint une interview ça sur Facebook et YouTube. Okay. Et son plaisir pour nous faire échanger ça et je dis. OK. Nous maintenant là et que on regarde une soirée sur bien, on connaissait pas pour première fois que moi rencontre avoir sur route non. Nous combattre pour le pèlerinage que nous mettons sur dos nous, on a sensibiliser monde, faire disciple en façon pour message là arriver plus loin. Et qui ça nous même n'a fait, n'a prôné un système qui s'est fédéralisé sous forme haïtien. Fédéralisé sous forme haïtien. Hein? C'est un système qui permet à tout haïtien de vivre bien tant que vivre tant que monde et que le mode de pouvoir que nous gagnons là tout a changé automatiquement parce que nous besoin comme si un pays côté que autorité nous c'est autorité pays d'Haïti et que toute décision qu'a prend pour pays d'Haïti faut autorité a qu'a prend décision ça et toute décision qu'a prend contre pays a faut autorité nous qu'a défendre pays a. Alors, dans le fédéralisme comme haïtien, nous avons trois pouvoirs, même gens que dans le système traditionnel, là, que nous avons trois pouvoirs. Mais dans le fédéralisme comme haïtien, trois pouvoirs sont indépendants. Indépendants dans le sens que toute chaîne moun kap nomé dans le pouvoir judiciaire. Et donc, c'est le pouvoir judiciaire qui est nommé. Mais dans le système traditionnel, c'est le pouvoir exécutif qui nomme moun yo. Et c'est si chaque grand monde comme si qui nomme dans le pouvoir judiciaire pendant que dit c'est trois pouvoirs différents côté que nous avons exécutif, législatif avec judiciaire. Tandis que c'est pouvoir exécutif là qui est même mis sous tout pour on est arrivé commissaire gouvernement ou bien pour son juge de paix ou bien pour qui quel que soit poste à occuper dans le pouvoir judiciaire, faut que c'est exécutif là qui baille même mis sous lui. Alors et c'est même exécutif ça qui commandait modèle Mounzaïo. Comme ça, le regard qu'on voit Mounzaïo, il est extrêmement arrogant parce qu'on connaît quelque chose à faire. Et que pas de monde comme si il y a contrainte, mis à part des présidents ou bien des gens qui nous mettent. Parce qu'on n'a pas coupé branche, qu'on chita sous lui. Et tout, des fois, on voit Mounzaïo très flexible par rapport comme si avec l'autre monde. Parce que si toutefois, ça a fait, il y a contre pouvoir qui nous mettent. Alors, le système ça, que nous voyons, c'est un système de mangeurs d'hommes, un système qui finit avec la population. Et que nous disons, quel que soit un nègre comme si qui apparaît dans le système ça, comme on sauve, si vous faites une proposition comme si vous paraît tout bon, ou vous voulez changer ça, assurément qu'il y a mangé. Et ça fait, dans le fédéral de Sauveur Haïtien, nous prenons tout soin, nous prenons toute précaution pour nous sensibiliser le peuple là, pour nous montrer qui ça qui est vrai. C'est qui est vrai fédéraliste là et qui est pour qu'on bien fait fédéraliste là. Alors, dans ce sens, que vu avec une série de bagailles qui passent dans le pays, nous-mêmes, nous là, nous questionnons, nous commentons. Par exemple, regardez dans la semaine là, il y a deux ordonnances qui sont sorties. Dans l'ordonnance, regardez comme si quand tout le monde a commenté négativement, positivement, sur un juge. C'est-à-dire qu'on juge, ça doit finir sortir l'ordonnance. C'était fini. Alors, dans le fédéraliste sous forme haïtien, toute décision qui va le prendre, il va prendre au vote. Et ni nèg comme si qui t'a contre, ni nèg qui t'a pour, ça a déjà discuté dans le côté ordonnance qui va le sortir. Alors, dans même ordonnance qui vient sortir, nous avons des amis, nos frères, nos GFT, qui ont parlé de plus de ça qui passé. Mais avant de rentrer dans l'ordonnance qui sortit, c'est une qui concerne les affaires qui sont âmes et l'église catholique, alors l'église épiscopale. Ouais. Et puis l'autre ordonnance là, c'est qui concerne Dossé, qui est ancien ministre de la justice sous gouvernement Ariel Henry. Mais nous-mêmes, fédéralistes, comme nous disons, réforme haïtienne. Fédéraliste sous forme haïtienne. Sous forme haïtienne. Ou bien on peut dire fédéraliste à l'haïtienne. Qui moyen politique nous gagnons pour nous arriver vraiment
et avec ça on a prôné comme changement dans la justice là dans la politique là qui moyen politique nous disposer pour ça. Eh bien, puisque qu'on est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, eh bien nous connaissons plus que comme si les peuples a décidé et peuple a connu que c'est la bourme et que il mettait quel soit monde qui t'apparaît en face lui comme obstacle là, il mettait devant les faits accomplis. Un exemple très clair que nous avons regardé tout pour ça qui passer dans Wanamen jodi là et ceci c'est pas position non. Et conseil des gens pas prendre position. Mais quand même, ils ne peuvent pas prendre position pour entrer avec eux parce que les peuples ont décidé, les peuples ont endiablé et que ça, le vléa, ou pas qu'à goûter avec le peuple, quel que soit le pouvoir là. Et toute liberté, toute laisser aller où est-ce qui vient là, c'est parce que le peuple n'a pas uni. Une fois que le peuple a été uni, assurément, le conseil de laisser aller qui peut être bien. Et bien, dans ce sens-là, nous disons que la meilleure solution, c'est faire disciple et que moi, je rentre ensemble avec vous là. Moi, je fais part des fédéralistes, bien faire fédéralistes. Et puis, qu'on y a là, ou même dans l'entourage, que vous sensibilisez l'autre monde, comme ça, le message arrive, côté pour libre rivière. Et puis, je joue que nous nous disons, nous sortons tête, nous, pour nous dire, mais ça, que nous avons présenté comme solution à pays d'Haïti et que tout le monde connaît ce qui ça y a défendu. Et je dis à qui ça nous capable de faire pour nous vivre avec des hommes forts, des femmes fortes aussi, qui pour en tête l'État, parce que moi je ne vais pas dire comme si c'est l'État qui fait, parce que l'État est là, c'est les gens qui sont en tête l'État qui ne peut pas amener l'État à bon port. Par rapport à ce qui s'est passé dans Wanamet, dans le département nord-est, là, nous voyons que c'est la population qui prend la responsabilité en charge. Mais les gens qui sont en tête l'État ne pas dire rien, d'ailleurs nous sommes tous respectants, le président Abinadel a fait. Et en face à la population. Mais nous pouvons jamais vraiment gain une position arrêtée pour côté pouvoir et haïtien. Ou même comment comprendre la réalité ça. Mais c'est ça qu'on a dit. Et comme nous même dans fédéralistes là, que ça fait longtemps que en plus on a critiqué, en plus on a félicité, que nous même nous pas là pour ni critiquer ni féliciter. Il y a un monde. Mais tout simplement que observation pam m'pa quoi différent des observations pao si tout faut suivre bien dans pays par rapport avec tout ça qui passe dans pays ou pour moun nou gen qui c'est autorité nous yo ou pour yo pas tellement autorité nous vrai parce que position ça que n'a défendre yo et que mon quoi c'est position pour l'état nous pour moun qui représente nous qui prend position pour peuple là on façon pour nous faire un seul chemin alors dans ça que nous pas voulu commenter trop sur modèle moun sa que nous gagne comme gouvernement comme moun qui dirige nous comme autorité nous parce que moun sa pas autorité peuple haïtien que c'est autorité poche avec autorité moun qui mette yo. Alors et nous même dans fédéraliste qui position nous face à pouvoir ça qui là est-ce que nous pour pouvoir ça arrêter toujours ou encore faut que ta gagne sacré les vraie transition parce que ça pas même besoin de vraie transition ça que là c'est pour transition son gouvernement provisoire parce que transition il veut dire ça veut dire nous même par rapport avec tout ça qui gagne la journée aujourd'hui sur le plan politique comment nous comprendre gouvernement ça qui là. Eh bien gouvernement ça qui là que où est son gouvernement comme ce qui là juste tant qu'on qui paraît sous forme de gouvernement de perpétuel côté que tout le monde juste comme si il y a affaire cabrit pas affaire mouton. Tout le monde a bien vivre, tant que là, on regarde les gens qui sont autorités nous là. Si on sorti, assurément, il y a 3-4 graines enragées derrière eux. Et qu'il n'y a pas de problème pour dire qu'il y a sorti, il y a tel côté. Mais nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes en population, et qui avons souffert, nous sommes limités. Chaque cas a son frontière pour nous. Et que nous n'avons pas de nous faire contre ça. Et que, ouais, on dit, je m'en fous. Et que puisque nous-mêmes, il y a bien marché pour eux. Et qui n'a pas gagné comme si j'aime fait. Imaginons bien, depuis lors que tout ça a passé dans le pays, et depuis lors que le peuple a plein d'interventions pour qu'il fait de façon serrée pour que le peuple a joué une solution pour la solution de la que ou pas j'aime ça. Alors, pendant que nous-mêmes avons souffert, assurément que chaque matin, on a conseillé des nègres qui mettent gros costumes, gros cravates sur eux, et qu'ils ont touché l'argent d'État pour le travail que vous avez fait, pour le service que vous avez rendu, pour le travail que vous avez fait, ou pas rien arriver sur vous comme peuple. Et même constat que je fais, parce que c'est même constat que vous même vous faites tout. Alors, dans ce sens-là, nous, une vraie solution pays, il faut que tu aies une transition qui a quand même duré 5 ans. Pour qu'il quand même duré 5 ans, en façon pour tout nèg comme si qui gagne loi président qui monte yo, tout nèg qui gagne loi comme si on pouvoir quelqu'un qui monte yo, pour gagner temps comme si pour stabiliser pays a et puis pour mettre sécurité dans pays a et que pour avancer. Mais comme modèle de transition que nous même nous gagne tout gagne en Haïti yo, c'est une façon pour juste comme si permettre qu'on créer une série de nouveaux riches et que ou même comme si qui dans milieu jeunesse là
Ça veut dire, puisque comme si vous n'avez pas de base qui est préparée, en façon pour permettre qu'on fait l'argent, pour permettre que émerger dans le même secteur, assurément que vous avez toujours traîné, vous avez toujours en plein, vous avez toujours envie de dénoncer. Alors nous-mêmes, nous prenons les fédéralistes et que nous avons une meilleure solution. C'est une transition qui dure 3 ans, qui dure 5 ans et qui a une stabilité dans le pays et que pour nous connaître une vraie décision, pour nous sortir dans telle étape. Qui sont étapes des chiens manger chiens et puis pour notre nom étapes qui sont étapes des paradis des Haïti paradis. Une transition normale, est-ce que vous même vous prêt pour bailler expertise ou si vous pouvez faire appel ensemble avant pour un poste quelconque? Mais oui, effectivement, que donc c'est pour ça que vous regardez je vous dis là toute petite terre presque fin aller que nous même nous dit bon aller qu'elle nous a contribué à sacrifier ou pas sacrifier. Or si nous avons des possibilités pour nous vivre pays d'Haïti, c'est un paradis sous terre. Un paradis sous terre dans le sens que regardons bel soleil nous gagnons, comme c'est vrai, regardons bel espace que nous gagnons, nous avons respiré, nous sommes bien à l'aise et que nous avons senti que nous et nous la caille, nous sommes bien à l'aise. Mais cependant, même comme si qui connaît pour qui raison qui a fait ça, et que nous mettons en otage et que ni moi ni vous, même si nous ne pouvons pas circuler, voir en façon pour nous dire respirer un bon l'air. Imaginons bien pendant que je parle avant là. Est-ce qu'on a dit depuis qu'il est ou tu fais ou de graisser ou à l'ontilan mais pendant que chaque dimanche peut-être qu'on doit gagner 2-3 amis qui doit prendre ou qui dit ça bon on a le fonti l'an mais on a le fonti on a le fonti bien l'an mais parce que fatigue stress tout bagaille encore nous en bien pays avec nous comme si nous étions dans une situation que nous pas qu'à faire ça nous désirer mais de jour en jour nous on n'a pas adapté nous avec Jean bagaille alors dans ce sens ça que nous dit que faut que haïtiens prend destin en main pour nous goumer pour un bagage comme si cap bon pour eux pour ne pas goumer pour un bagage seulement pour permettre une catégorie à faire l'argent sous dos nous sous un message pour jeunesse haïtienne alors certains dans yo il y a contrainte quitter pays et certains dans autour qui décider volontairement quitter pays c'est comme quoi haïtiens les mêmes les pas retrouver dans Haïti. Parce que nous connaissons que pour un changement, c'est le monde qui vous gagne d'abord, c'est le monde qui vous fait changement. Et tout espace là, il est là déjà. Toutes conditions réunies. Mais sauf que nous manquons de monde. Mais ça joue à ce qui s'est tapillé par rapport avec les jeunes qui découragés, jeunes au contraire de quitter le pays et jeunes qui décident volontairement de quitter le pays. Eh bien, nous avons dit à la jeunesse là, quel que soit le pays qui est considéré comme paradis sous terre, ce n'est pas bout de terre en soi, c'est population. Et même gens que moi-même je vous dis à la moins impliqué en façon pour me sensibiliser toutes jeunes par rapport comme si avec un système moins ou comme si cap carré de nous sortir de la situation que nous y a moi demander que chaque jeune qui a passé même misère avec moi qui voit bagaille aux mêmes gens impliqué dans politique là impliqué en façon pour faire des questionnements pour poser monde comme si qui mettait dans notre agenda des questions en façon ouais si tout fan de arriver atteindre à objectif nous. Nous pas qu'un bel pays comme ça, nous pas qu'un un paradis comme ça. Et puis qu'on y a là, pour mettre nous comme si nous vivions l'enfer, nous vivions l'enfer. Qu'on y a qui cause que, qu'elle soit jeune comme si qui vient faire études classiques, il est obligé de partir. Ça, si toutefois qu'on y a là, l'idée font on maîtrise quelconque, l'obligé de partir pour approfondir connaissance li. Mais l'elfe l'approfondir connaissance li, il a dû retourner dans le pays en façon pour une bail expertise li avec ça qu'elle apprend non. Mais même moun sa l'el vin par dans le pays d'Haïti, c'est chasser. Yo chasser yo, pas de possibilité pour aucun jeune vivre dans le pays d'Haïti. Mais nous disons que plus nous croiser bras nous, c'est plus ça nous parle là, la patrie sous nous. Et bien dans ce sens, nous disons que toute jeunesse là, implique nous dans tout ça qu'a fait yo, en façon pour nous voter solution avec ça nous considérer comme problème aujourd'hui. Merci. Merci.